Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Moi, je vais très bien. Alors, par contre, quand je vais très bien, je fais beaucoup de choses. Et quand je fais beaucoup de choses, à un moment donné, j'ai besoin vraiment d'énergie. Bon, celui-ci, j'étais supposée de le prendre le matin, mais j'ai pas eu le temps. Malheureusement, j'ai travaillé quand même assez tôt, 9 h. Mais j'ai pas eu le temps de le préparer en réalité. Donc, c'est un mélange qu'on voyait comme c'est vraiment. C'est mieux en poudre. Et c'est un mélange de 5 différents champignons qui donnent vraiment de l'énergie. Donc, alors, les champignons, bon, je vais les mettre ici, là, comme ça. Je ne vais pas me tromper. Et puis, j'aurai pas le temps. Les questions, genre, comment je peux les écrire? Comment ça s'écrit? Parce que c'est un peu difficile, là, la prononciation. Alors, c'est le reishi, chaga, tramette, cordyceps, lion's mane. Donc, comme vous voyez ici, il suggère de prendre un quart de cuillère à café dans une tasse d'eau ou de jus. Bon, personnellement, je vais vous dire la vérité. Là, j'ai jamais goûté avec seulement de l'eau. Ce que je fais généralement, c'est que je mets un peu de jus d'orange ou de citron, peu importe qu'est-ce que j'ai. Ça, c'est assez pour moi. There you go. Donc là, bon, ça se mélange très bien. Sinon, on pouvait très bien le touiller. Tac-tac. Et ça se boit très, 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 très bien. Bon, celui-ci, moi, je l'ai acheté de chez l'herboriste en nappe. C'est pas pour faire la publicité et tout. J'ai pas été payée. Je l'ai acheté avec mon argent. 14,50 $. Mais ça vaut vraiment la peine, hein. Ça reste quand même assez longtemps. On utilise juste un quart de cuillère à café. Et puis, tchin-tchin et santé. Oh, avant de finir, j'allais finir avec ça là, mais je me suis rappelé de vous dire que, attention les filles, comme je l'ai toujours dit, les filles et tout le monde, hein. Donc, comme je l'ai toujours dit, toujours, 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 pour les femmes qui sont enceintes, les femmes qui allaitent, ne prenez pas tout ce qui vous tombe dans les mains. Donc, posez la question à votre herboriste si vous pouvez prendre ce mélange-là et ou bien votre pharmacien. Donc, les deux, au fait, pharmacien et herboriste, c'est les mieux placés pour connaître ce genre de choses. Bonne journée!